Bonjour à tous, vous allez bien mes amis. Alors les tirages que j'ai fait, les signes de terre, alors les taureaux. Je vais faire les trois signes pour choisir votre ascendante, les vierges et les signes de Capricorne. Un tirage général, peut-être ces tirages, ça va 3 mois. Jusqu'à le printemps, ce tirage. Alors, si vous voulez choisir les signes ou soit votre ascendante, peut-être ça va parler pour vous. Ça, c'est les trois signes de terre que j'ai fait le même vidéo. On commence avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qui est pour vous, les taureaux? J'ai déjà préparé. Je donne une réponse, Angélique, après. Pour les taureaux, alors, les taureaux, je vais voir si vous voyez les cartes. Pour moi, c'est l'essence de reine. Quelque chose qui vous êtes peut-être besoin de changer. Alors, je vais faire comme ça et après je donne le reste. Alors, c'est déjà, je vais voir si les cartes, vous voyez les cartes. La carte de l'horreur, les taureaux. Alors, est-ce que vous sentez, vous êtes commis à une erreur de passé? Pour moi, ça c'est le passé. Parce que vous êtes isolé du monde, vous êtes éloigné du monde, vous êtes seul, vous êtes pris beaucoup la nuit, peut-être seul, ou soit vous êtes faire un choix qui vous êtes senti regretté. Vous sentez maintenant, peut-être, ça c'est le passé que je vois ici. Ça commence l'équilibre de soi, la relation avec quelqu'un. Soit un rêve que vous voulez faire dans votre vie, soit rêver partir à l'étranger, rêver faire un voyage lointain. Vous êtes à faire un rêve peut-être autour de quelqu'un et retour à une personne qui se sentait peut-être dans le passé, qu'il est parti, que vous êtes faire de peut-être cette choix, l'erreur que vous êtes fait peut-être. Et je vois quelqu'un qui retourne dans le passé, quelqu'un qui était parti ou s'est éloigné. Pour moi, c'est l'essence d'une relation, l'essence d'un couple, l'essence d'un projet qui vous est tombé. Cet projet, c'est très riche et peut-être il y a un succès pour ce projet que je vois. Les cartes que j'ai tirées, les taureaux, c'est vous, les taureaux. Vous êtes besoin de quitter quelque chose dans le passé qui vous est très taché, soit une personne, soit une situation que vous avez besoin vraiment. Prenez le temps et changez votre façon, votre garde par l'avenir. Peut-être que vous êtes toujours dans le souvenir et besoin de nourrir votre énergie nouveau, besoin de changer les choses. Et commencez à maîtriser les choses aussi. Et vous êtes une personne beau, il y a l'essence pour vous, les taureaux. La carte, les taureaux, vous êtes besoin de prendre la patience. Si vous tendez à un projet qui démarre, à bientôt, ce projet, ça va aider quelqu'un qui veut être un don, soit une prête. Si vous attendez l'argent, la banque, un prêt de l'argent, soit vous êtes on veut peut-être construire une maison à l'étranger, c'est possible, les taureaux. Et que je vois aussi, c'est un rêve qui vous êtes beaucoup le rêve pour réaliser une relation avec quelqu'un. Aussi, la relation amoureuse que je vois, il y a quelqu'un qui tente une personne du passé. Et quelqu'un qui est signe de taureau et ascendante balance. Est-ce que c'est vous, ascendante balance,
Taureau ascendant Balance, peut-être il y a une nouvelle relation, à une amant, une amante, peut-être quelque chose qui commençait à mieux pour vous dans votre relation, votre rêve, ça va réaliser, à une personne retour dans le passé. Et le projet que vous voulez faire, ça va démarrer, c'était bloqué par le passé. Et c'est votre carrière, ça va changer, peut-être il y a un changement de carrière, changement à vraiment bouger ce projet. Et je vois les taureaux, ça va mieux pour vous dans 3 mois. Si vous êtes envie peut-être faire un voyage lointain, c'est possible. Ou soit si vous êtes pensé à un projet à l'étranger, acheter une maison, construire une maison, ça c'est possible aussi. Les taureaux, par 3 mois, vous prenez les décisions. Et en retour, quelqu'un de passé, il y a l'équilibre dans la relation avec un homme ou une femme, soit amant, soit amoureux, soit un couple qui commençait mieux. Si vous êtes passé, dans le passé, vous êtes fait l'erreur, vous êtes pris beaucoup de choses dans la vie, vous faites attention. Dans le passé, vous êtes fait beaucoup, peut-être l'erreur. Dans votre choix, dans votre relation, choisissez les gens qui sont pas bien ou soit professionnels. Alors, les cartes pour vous, les taureaux, pour 3 mois, les messages, ça sortit 3 mois prochains. 3 mois prochains, oui, il y a un changement pour vous dans 3 mois. Attendez-vous, peut-être pas tout de suite, mais dans 3 mois, il y a un changement. Qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pas le bon moment, peut-être, quitter quelque chose ou aller voyage ou aller à l'étranger ou acheter une maison tout de suite. Ce n'est pas le bon moment. Attendez-vous. Peut-être c'est la semaine prochaine ou quelques semaines, vous prenez cette décision pour acheter une maison. Et si vous êtes attendu, peut-être vous n'êtes pas pardonné à quelqu'un qui est retour ou soit en contact avec quelqu'un du passé. Vous devez travailler les pardons. C'est important les pardons pour retourner avec cette personne, les taureaux. Parce que vous n'êtes pas encore pardonné à cette personne. Voilà. Ça, c'est les taureaux. Et je passe les vierges, les signes de vierge. La solitude, les déserts, il n'y a rien. Peut-être c'est beaucoup de temps que vous êtes seul, ou soit beaucoup de temps que vous n'êtes pas déplacé, ou soit voyagé, vous voulez voyager beaucoup de temps, que vous pensez à ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez, peut-être un retour de quelqu'un, ou soit vous êtes beaucoup de temps que vous êtes triste ou déprimé, et beaucoup de temps que vous êtes perdu confiance dans quelqu'un, ou confiance à vous. Et peut-être aussi la confiance à voyager, partir à l'étranger, ou soit à une personne du passé qui retourne, qui l'était partir. Voilà. Et c'est peut-être un signe de Verseau que je vois ici, qu'il est parti. Et vous êtes cherché l'équilibre, vous cherchez à travailler les confiances, peut-être cette personne qu'elle demande. Les confiances, cette personne, peut-être sera tout. Ça va, la relation, ça va porter une lumière dans votre relation, ou soit dans votre tourage, ou soit un voyage important pour vous. Les retours, c'est peut-être quelqu'un qui est parti, ou soit si vous êtes, vous croyez plus à une personne, peut-être qui retourne, parce que vous êtes beaucoup de négativité ou de peur. Ou soit vous avez besoin de travailler sur vous parce que vous êtes perdu confiance par les souffrances et les blessures de passé. Aussi, c'est les gens qui veulent peut-être un travail avec le médical, soit infirmière, médecin, aide-soignant. C'est possible, si vous cherchez de travailler longtemps, soyez confiance. Ou soit vous passez un examen de médical, soit aide-soignant, infirmière, si vous faites cette formation, soyez confiance, vous passez cet examen. Alors, les vierges, vous êtes conscience, besoin d'un changement, besoin de sortir cette
problème qui vous aide, perdez la confiance. Et si vous êtes obligé de travailler sur vous, parce que vous êtes besoin de travailler sur vous, votre confiance, si vous êtes obligé de faire une formation ou un diplôme ou un travail différemment dans le médical, c'est peut-être si vous devez travailler cette confiance. Si vous êtes éloigné de quelqu'un qui vous sentez peut-être triste, souffrir, votre âme qui est blessée, besoin de guérir, et vous êtes guidé spirituel pour demander l'aide là-haut, pour vous aider, pour trouver votre lumière intérieure dans votre relation. Alors, les vierges, il y aura un message pour vous, si vous croyez qu'il y a un changement pour vous, il y a une choisie une nouvelle direction pour vous, soit carrière ou soit la santé. Je vois aussi un établissement dans votre santé aussi, une amélioration de santé. Si vous êtes beaucoup malade ou souffrir, restez optimiste. Les changements sont positifs pour vous. Alors, dans l'avenir, dans 3 mois, vous profitez l'occasion fabuleuse pour vous changer les directions. Restez optimiste. S'il y a une amélioration de votre santé, si vous sentiez beaucoup souffert par le passé, soit l'amour, soit professionnel, soit vous êtes aussi le moral ou dépression, ça va mieux, ça va équilibrer les choses pour vous, les vierges, dans 3 mois. Alors, on va voir le signe de Capricorne, votre tirage, le signe de Capricorne. Voilà. Il y a l'ordre, il y a une ouverture d'opportunité à une relation, ou soit une relation avec un frère, et peut-être un choix faire de couple, et choix de relation avec quelqu'un. Alors, vous êtes beaucoup de prières, et les choses qui vous êtes problème avec quelqu'un, soit la justice, soit un problème avec un frère, avec la justice, soit un problème avec un mari ou une femme, si vous êtes marié, il y a quelque chose qui vient de l'ordre et une opportunité, offrir une nouvelle porte, une chance dans cette relation, soit un frère, soit quelqu'un de la famille, soit dans le couple. Et vous priez beaucoup, votre prière, ça va vraiment réaliser parce que vous demandez beaucoup. Et les choix à faire, alors les signes de Capricorne, ascendant Verseau, peut-être vous êtes besoin de prendre les choix dans une relation, ou soit avec un frère ou quelqu'un de la famille. Alors la justice, vous êtes peut-être à cause de votre carrière, et peut-être il y a un changement d'entreprise, ou soit un travail qui vous êtes beaucoup le contact social. Alors, si vous êtes un signe, vraiment une chance, laissez toutes les signes de feu, de l'eau, les signes de terre, les signes de l'air. Vous êtes la chance pour votre opportunité, ou soit c'est ascendante, un signe, soit signe bélier, sagittaire, sagittaire, lion, ou soit les signes de l'eau, c'est le poisson, cancer, scorpion. Ou soit signe de terre, c'est taureau, capricorne, c'est vous, les capricornes, et soit vierge, et les signes de l'air, soit verseau, gémeau, balance. C'est peut-être une chance pour vous, c'est ascendante, capricorne, ascendante, c'est signe de terre, ou de l'air, ou de l'eau, ou soit de feu. Alors, si vous êtes senti solitude, vous êtes une personne sage, beaucoup de lumière. Vous sortez un nombre, vous sortez les choses qui étaient peut-être beaucoup de contrôle dans votre relation, contrôle de votre entourage. Vous avez besoin de lâcher prise un petit peu votre prière. Vous priez beaucoup pour le changement pour vous, les Capricornes. Alors, les changements, les succès pour une relation avec quelqu'un, ça dépend de vous. Il y a un problème réglé avec la justice, soit carrière. Il y a un compromis pour vous.
un comprimé et lâcher prise. Ça sortit lâcher prise pour un grand changement pour vous, les Capricornes. Alors, les prières, priez beaucoup, ça va aider pour sortir un conflit, soit familial, conflit d'un couple, conflit car, professionnel. Il y a une méditation, il y a une prière qui vous est faite. Peut-être c'est pas tout de suite ça va réaliser, mais en comprimé, ces changements, de grands changements positifs, les succès. Seulement, vous devez lâcher prise, les situations du passé, ou pas lutte contre quelqu'un, ou lutte que vous-même. Parfois, vous faites, vous êtes très strict dans votre relation, soit dans votre travail, vous êtes tout droit, et parfois même autoritaire, les Capricornes, attention. Si vous êtes dans le couple, soit dans la famille, soit dans le travail, vous êtes un petit peu, parfois, dur la tête. Et parfois, ça va créer le problème ou le conflit, soit dans le couple, soit dans la relation familiale ou professionnelle. Voilà, c'est général. Merci beaucoup si vous voulez me partager.